Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire pour être en direct aujourd'hui pendant une heure au cœur d'un événement important, les Olympiades des métiers, 42e du nom, les finales régionales. Vous savez que c'est un événement qu'on compare souvent à des Jeux Olympiques. Ici, 325 jeunes depuis tôt ce matin et jusqu'à demain, de 18 à 23 ans, vont s'affronter dans des épreuves qui seront des épreuves éliminatoires pour les Olympiades nationales, puis internationales. On y reviendra bien sûr. Alors, avec nos invités ici présents, nous évoquerons évidemment les enjeux de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Vous savez, les Olympiades, ça se vit dans les stands et dans les allées. Il faut savoir un peu mouiller sa chemise. Et c'est notre ami Éric Aubron de France 3 Maine-et-Loire qui va à la rencontre pour nous des postulants et de leurs examinateurs. On va vivre comme ça, en direct, certaines des épreuves et écouter leurs réactions à chaud. Il faut savoir mouiller sa chemise. Moi, je suis prêt. Éric, vous aussi, je suppose. Bonjour, où êtes-vous ? Bonjour, oui, je suis prêt, Christophe. Et je suis tout près de vous, finalement, puisque je suis dans le secteur des nouvelles technologies, plus précisément de ce qu'on appelle le web design. Alors, le web design, c'est tout simplement la création, la fabrication de sites Internet. Donc, vous l'imaginez bien, c'est un secteur en plein boom. Dans la filière du multimédia, on peut même dire que c'est celui qui donne le plus d'opportunités de travail à l'étranger, aux États-Unis, en Asie notamment. Et plusieurs écoles supérieures de la région ont intégré désormais ce cursus d'études, comme l'école de design de Nantes. Et nous retrouvons tout de suite un élève de l'école, Marc Tessier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en deuxième année de master. Alors, votre outil de travail, c'est l'ordinateur, bien évidemment. Qu'est-ce que vous êtes en train de réaliser là ? Alors, sur l'épreuve des deux jours, on va devoir réaliser un site internet du début à la fin, donc en passant par la création graphique et jusqu'au code, la partie plus technique et la partie fonctionnelle du site internet. Et c'est pas trop stressant, justement, de réaliser ça en public ? Parce qu'on n'est pas dans une salle de classe, là. Oui, c'est vrai. Cet esprit-là de public de compétition, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Pareil pour mes camarades qui deviennent maintenant des concurrents. C'est vrai, maintenant, c'est une compétition, donc on n'est plus ensemble, on est l'un contre les autres. Donc c'est quelque chose de nouveau et c'est assez déstabilisant. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Déstabilisant, mais ça représente pourquoi pour vous, au final, les Olympiades, c'est un aboutissement ? C'est pas un aboutissement, c'est une opportunité qu'on a pu avoir et c'est quelque chose d'intéressant pour l'expérience. C'est une compétition, c'est toujours bon à prendre. Et c'est aussi une façon de progresser, de montrer ce qu'on sait faire. Donc c'est plutôt sympa, c'est intéressant. Voilà. Alors on va rejoindre tout de suite notre deuxième invité, c'est Florent Michel. Alors vous êtes expert métier et vous êtes également membre du jury national des Olympiades des métiers. Alors est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'épreuve nationale et celle qu'on vit actuellement, l'épreuve régionale ? Il y a vraiment un palier ? Alors il y a un palier effectivement au niveau technique. Ce sont des candidats qui sont en études et leur niveau progresse jour après jour, mois après mois. Et donc les épreuves qui auront lieu en novembre effectivement seront l'étape supérieure avant les internationales qui seront encore d'un niveau supérieur au niveau technique. Ils ont déjà une bonne base graphique qui sont en train de travailler là ce matin sur cette première partie de l'épreuve. Mais ça devra encore progresser sur ces deux niveaux graphiques, techniques pour les finales nationales. Alors c'est à la fois un métier artistique, effectivement, puisqu'on imagine un site, mais aussi technique, puisqu'il y a beaucoup de programmation, finalement. Effectivement, ce sont des designers qui sont des créatifs avant tout, mais qui doivent être au fait des technologies et qui sont capables de développer les maquettes de sites et d'aller jusqu'à l'aboutissement de la construction du site. Donc c'est vraiment une double compétence, une double corde à leur arc pour cette discipline du web design. Et plus généralement, le design d'interactivité, qui est la famille un peu plus large, qui ne concerne pas que le web, mais tout ce qui est l'interaction avec les machines. Il y a besoin de cette compétence à la fois technique et graphique et également ergonomie, connaissance de l'utilisateur, de ses pratiques. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une expertise française, une French Touch finalement ? Alors la French Touch, elle existe dans ce qu'on appelle le multimédia et le design d'interactivité de par nos formations d'excellence. On a en France des très bonnes écoles et c'est vrai que nos étudiants se font aspirer par des grandes sociétés internationales ou des studios internationaux. Et donc nos candidats qui sont là aujourd'hui sont sur les starting blocks pour faire partir de ces étudiants qui bougeront à l'étranger
dans leurs études et peut-être dans leur vie professionnelle par la suite. Ouais. Dernière question, pour ces Olympiades, on est un peu dans un registre particulier, les Olympiades régionales, puisque vous êtes la seule école représentée pour cette partie web design. Est-ce que ce n'est pas un petit peu dommage justement pour la compétition ? C'est effectivement dommage pour la compétition, parce qu'ils se connaissent entre eux et cet esprit de compétition, n'était pas dans leur tête aussi présent que s'il y avait eu d'autres écoles avec eux. Je pense qu'en les voyant ce matin avec le temps limité, le temps qu'ils jouent contre eux, et puis cet environnement des Olympiades avec le public, avec les jurys qui sont présents, ça les met dans le bain de la compétition et ils ont clairement en tête les nationales qui là les confronteront à nos meilleurs candidats des régions. Merci Florent Michel et on vous retrouve tout de suite Christophe avec vos invités. Et vous continuez votre promenade, comme je sais que vous êtes un garçon curieux, vous allez vous régaler parce qu'on voit des choses absolument extraordinaires et vraiment je le disais, hein, ici il faut le savoir en ce moment c'est beaucoup de concentration. Merci à tous ceux qui accepteront de répondre à nos questions car l'enjeu est d'importance pour eux, vous l'aurez bien compris. Alors avec moi sur ce plateau, je suis heureux de saluer Madame Sylvie Eslan, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du conseil régional en charge de l'éducation et de l'apprentissage, le conseil régional qui est organisateur de cet événement accompagné de 9 partenaires. Elisabeth Vincent de la Chambre de Métiers, vous êtes responsable des pôles métiers de bouche et services sur ces Olympiades. Oui. On aura l'occasion de parler du rôle que vous avez comme responsable de pôle ici. Et puis monsieur Dominique Houry, responsable de l'ANFA, c'est l'Association nationale pour la formation aux métiers de l'automobile. Alors j'ai envie, en guise d'introduction, car vous êtes tous des pros de la formation, de vous demander à quoi ça sert les Olympiades, Madame Eslan. Ça sert déjà à voir les métiers en vrai, si on peut dire, la réalité, voir les compétences mises en jeu, apprécier en fait ce qu'est un métier, parce que c'est toujours un petit peu vague pour les jeunes élèves, donc c'est montrer les métiers, montrer les enjeux, aussi voir qu'au-delà d'un métier, il y a des filières de formation, le bâtiment, c'est très vaste, par exemple la cuisine aussi, les métiers de bouche, c'est très vaste, donc comprendre un petit peu ce qu'est une filière, jusqu'où on peut aller, voir qu'il faut aussi des compétences. Alors en région, qu'est-ce que ça pèse comme ça, pour avoir un ordre d'idée, qu'est-ce que ça pèse la formation ? Alors la formation, c'est important, il y a pratiquement 30 000 apprentis, il y a 43 000 lycéens professionnels, et puis il y a aussi près de 17 000 jeunes en formation, stagiaires de formation, voilà. En fait. Donc c'est énorme, c'est presque 100 000. Rappelons que ça fait partie des compétences... Tout à fait, c'est une des compétences majeures, c'est 25% du budget de la région. Voilà, et c'est 300 000 jeunes concernés, 20 000 entreprises. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent assister à ces Olympiades. En un mot, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Déjà, voir les choses, déjà comprendre, tâter des métiers aussi, si je peux dire. Hein. Voilà, comprendre. On a des ateliers là sur les stands où on peut toucher les métiers, en vrai aussi, faire s'exercer, etc. Et avoir de l'information. Et puis je pense qu'aussi, il y a le goût de la compétition. Elisabeth Vincent, vous vous présentez souvent comme une intoxiquée des Olympiades. Bon, je vous rassure, j'ai téléphoné à mon médecin, c'est pas grave du D'accord, tout. Merci. En un mot, pourquoi c'est important une manifestation comme celle-là ? Une manifestation comme celle-ci, notamment dans la région des Pays de la Loire, c'est la vitrine de la formation professionnelle. C'est vrai que dans les Pays de la Loire, on a quand même une antériorité en termes d'apprentissage. Donc c'est important de montrer effectivement au public, aux jeunes et notamment aux familles également, puisque souvent il faut convaincre avant tout les parents de laisser entre guillemets leurs jeunes choisir sa voie et choisir un métier. Métier manuel qui, sans la main, sans l'intellect, ne peut pas fonctionner non plus. Dominique Houry, pour l'automobile, c'est capital d'être présent ? C'est capital parce que en fait, l'automobile recrute dans un certain nombre de métiers, donc il faut préparer l'avenir. Et puis les voitures, comme vous le savez, ça changent bouge, énormément, ça évolue. Donc évoluent. Donc non seulement il faut préparer l'avenir avec toute la filière de formation automobile, mais aussi il faut demain prendre conscience que pour intervenir sur une voiture, il faut des compétences qu'on n'avait pas besoin de mettre en vigueur il y a 10 ou 15 ans. Quoi. Et voilà pourquoi vous avez besoin de jeunes. On y reviendra bien sûr au cours de cette émission. Alors, les jeunes, on va les retrouver dans un instant aux côtés d'Eric. Mais avant, retour sur ce qu'ils vivent dans leur tête en participant à ces événements, notamment les postulants. Deux Sartois ont remporté l'an dernier une médaille de bronze en ébénisterie et joaillerie. Marc Ivard est allé les rencontrer. Ans que les Olympiades n'avaient pas récompensé d'ébéniste français. Et l'année dernière, Paul Janvier décroche le bronze. Seuls ses copains y croyaient.
Ils me font bon bah allez vas-y croise les doigts là. Je dis non les gars je pense pas hein, sincèrement je pense être quatrième là je me suis fait avoir et tout. Il me dit mais croise les doigts alors je croise les doigts et puis là je vois mon nom bah là c'est la folie là tout le monde saute en l'air c'est vraiment la folie. Impossible d'oublier ces journées de finales internationales. Apprenti en joaillerie, Paul Nguyen reste l'unique médaillé français dans sa catégorie de toute l'histoire des Olympiades. C'est des épreuves sur 4 jours. Et tous les jours, on a un temps limité pour faire une petite partie du sujet. Et en 4 jours, on doit finir la totalité du sujet. Et chaque soir, une partie est notée. Donc tous les jours, il faudra finir la pièce qu'on devait faire. Tous les soirs, moi, je refaisais mon planning pour voir où j'étais par rapport à mes entraînements. Et c'est encore plus stressant puisque l'épreuve est très très longue. Et je suis arrivé le samedi complètement épuisé, puisque bah, je dormais 3h30, 4h par nuit. On découvre plein de gens, tout le monde est passionné par son métier, différents pays, différentes techniques de travail. On apprend à se surpasser. Et j'ai appris des techniques que jamais j'aurais appris sans ce concours. Dans le CV, je pense que ça va beaucoup m'aider. C'est une aventure qu'on vit qu'une fois. Et c'est après qu'on prend conscience justement de la chance qu'on a eue de pouvoir le vivre. Donc ouais, je pense qu'on se sent un petit peu transformé et quoi qu'il arrive, même pour ceux qui n'ont pas fait de podium à l'international, ça reste une expérience inoubliable, je pense. Ça m'a changé, ça grandit. Voilà, je me trouve à présent sur le stand de coiffure avec des candidats, des candidates surtout très concentrées. Vous pouvez le voir, ça beaucoup d'exercices, beaucoup de gestes manuels sur ce stand. Effectivement, je dis candidate parce que c'est un métier qui s'est considérablement féminisé ces 30 dernières années. Rien que sur la région nantaise, on compte 98% de jeunes en formation, mais ce sont des femmes. On y entre la plupart du temps pour ce métier, on y entre par la filière classique, c'est-à-dire par l'apprentissage, mais aussi par le lycée. Un chiffre peut-être pour vous donner un ordre d'idée, pour terminer cette présentation, l'an passé, eh bien 1360 jeunes en apprentissage ont été embauchés dans la région, dans des salons de coiffure. Alors je suis avec Charlène Nutringer, bonjour. Alors vous avez été l'an passé finaliste des Olympiades nationales, c'est bien ça? Et cette année, vous vous retrouvez membre du jury. Voilà. Alors, dites-nous un petit peu, justement, ce que ces jeunes sont en train de faire, ce qu'elles ont à réaliser. Je disais, ce sont des gestes très techniques. Oui, c'est une coiffure cocktail. L'épreuve commence par la coloration, donc trois couleurs très différentes. Ensuite, elles vont faire un brushing artistique de type OMC. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'elles auront à faire plus tard dans un salon de coiffure. C'est vraiment une mise en situation qui les attend après. C'est une mise en situation dont la couleur, bien sûr, moins extravagante. Pourquoi extravagante? Parce que c'est des couleurs très très tranchées. Je ne pense pas que les clientes n'auront pas ces couleurs-là. Quoi. Voilà. Mais elles peuvent. Et vous les notez sur quoi finalement? Vous les notez sur le geste, sur le sur final, la dextérité, sur le final aussi, le rendu visuel, la qualité des finitions et les couleurs, les rendus des couleurs surtout. Donc c'est une épreuve qui dure combien de temps? Elles sont toute la journée là? Toute la journée. Elles ont 4 épreuves, dont une de 3 heures, cet après-midi de 2 heures et demain environ 2 heures aussi. Et donc vous êtes effectivement membre du jury, mais je le disais tout à l'heure, vous avez été l'an passé à la place de ces candidates, puisque voilà. Vous avez été représentante pour les Olympiades nationales, vous représentiez oui. la région. Oui. Comment vous avez vécu cette expérience? Très bien, c'est une très très bonne expérience. Il faut beaucoup de motivation, de la disponibilité, c'est beaucoup d'entraînement à côté de son travail aussi, le soir, le dimanche, le lundi, nos jours de repos, on va s'entraîner à la CCI. Alors c'est-à-dire que vous entraînez sur des têtes malléables, bien ouais. sûr. Et c'est une question de finance aussi. Pourquoi des pour questions acheter, de finance acheter la couleur, parce qu'on refait des têtes malléables aussi. Et la CCI... Pour être prêt le jour J. Voilà, pour être prêt. Et vous en gardez quelle expérience justement? Une très bonne expérience. Ça vous a apporté? Oui, beaucoup. Pour être embauché, on montre qu'on est motivé. Et voilà. Et donc par contre, il faut se confronter effectivement à d'autres candidates. Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous a aidé pour plus tard? Parce que je crois que vous avez depuis trouvé un emploi. C'est ça. Vous êtes passé d'élève à aujourd'hui, vous êtes dans un salon de coiffure, vous travaillez dans un salon de coiffure. J'ai été embauchée au mois de septembre. Et puis ça m'a permis aussi d'être jury ici et de jurifier des examens plus tard. Donc on peut dire que ces Olympiades, c'est un plus sur le CV. C'est ça.
Les employeurs, les salons de coiffure, ils sont sensibles, vous pouvez... Oui, je pense. Au moins, ils montrent qu'on est passionné et on est investi dans notre métier. Quel conseil vous pourriez donner justement à ces jeunes, puisque aujourd'hui vous êtes passé d'élève à employé dans un salon de coiffure. Là, quel conseil vous pourriez leur donner, puisque vous avez également participé à ces Olympiades là. Continuer à être passionné et à être disponible pour la coiffure. Et c'est un métier qui nécessite quelles qualités? Des manuels, bien sûr, il faut être artistique, à être passionné. Merci Charlène. Je vous rappelle que vous étiez donc vous êtes membre du jury et que vous étiez l'an passé eh bien, dans le cas de ces candidates pour les Olympiades nationales. Alors je vous propose tout de suite de changer d'univers puisque nous allons parler des Compagnons du Devoir. Vous le savez peut-être, les 16 et 17 avril prochains, eh bien, les maisons des Compagnons du Devoir vont ouvrir leurs portes au public. Et si vous êtes bachelier ou que vous avez décroché de l'université, eh bien, vous pouvez devenir Compagnon du Devoir. 27 métiers s'offrent à vous. Une méthode d'apprentissage ancestrale qui s'adapte aujourd'hui aux besoins de notre époque. Cette année, une licence a même été créée. Présentation de ce nouveau cursus de formation avec Laure Lino et Christophe Romain. Très bonjour. À 51 ans, Olivier est cadre commercial et dirige aujourd'hui 3 commerciaux. Compagnon pâtissier fort de 29 années d'expérience, il a dû suivre une formation supérieure de type Bac plus 3, l'assurance de pérenniser son poste. Est-ce que je serai légitime dans une nouvelle entreprise, même si j'ai une bonne expérience? Est-ce que ça pouvait être... Donc je me suis amusé à feuilleter quelques annonces et je me suis rendu compte que le Bac plus 2, plus 3 était devenu pratiquement incontournable. À la fin de leur tour de France, plus de 70% des compagnons accèdent à des postes à responsabilité. La plupart d'entre eux deviennent chefs d'entreprise ou cadres supérieurs. C'est pour mieux correspondre à l'évolution du monde du travail que les Compagnons du Devoir ont décidé de créer une grande école des métiers. Leur offre de formation supérieure s'élargit. Cette année, une licence est lancée. Assembler par tenons et mortaises des pièces à des verres comme ça. Vincent est en première année de licence. Le soir, cet aspirant charpentier suit des cours de culture générale sur la structure et l'enveloppe du bâtiment. Un bagage théorique nécessaire. Pour que ça m'ouvre des portes, si jamais je veux quitter le chantier et avoir un poste à responsabilité. Cette licence respecte l'esprit du compagnonnage. Intégrant le Tour de France, elle s'adapte au rythme particulier de chaque apprenti. 3 ans de cours, finalement, 1 année, 2 années, 3 années. Néanmoins, un jeune peut la passer dans l'absolu en 2 ans. Un jeune qui viendrait avec un fort niveau de culture générale, il aura la possibilité d'aller rapidement sur cette licence. Et un jeune qui aura un cursus peut-être différent et un projet différent va l'adapter différemment et va peut-être la passer en 4 ans ou en 5 ans. Actuellement, il existe 5 licences pour les métiers du compagnonnage. Dès la rentrée prochaine, tous les métiers du bâtiment et de bouche seront concernés. Retour au parc des expositions d'Angers où l'antenne de France 3 Pays de la Loire s'est mobilisée autour des Olympiades des métiers. Merci de nous rejoindre. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses sur le monde un peu complexe, il est vrai, de la formation. Nous a rejoint sur ce plateau Monsieur Pierre Deremeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de BTP CFA Pays de la Loire. Et là-dessus, on aura, puisque c'est un secteur culturellement concerné par la formation et par l'apprentissage, on aura pas mal de choses à voir ensemble tout à l'heure. Mais puisqu'on est ici aux Olympiades, chaque année, les Olympiades, il y a des nouveautés. Il y a des petits nouveaux qui arrivent, des métiers d'avenir. On a parlé du web design tout à l'heure. Quels sont les petits nouveaux, Elisabeth Vincent, cette année? Eh bien, écoutez, il y a la boucherie, donc un secteur important. Donc on est très content d'accueillir pour la première fois au niveau national la boucherie. Donc là, nous aurons 8 candidats en compétition entre aujourd'hui et demain. En revanche, il y a aussi des métiers qui sortent des Olympiades, et ce qui est dommage aussi, donc on a eu la boulangerie il y a 2 ans qui est sortie des Olympiades, et en tant que Française, c'est fort dommage, mais bon, voilà, on aussi, laisse la place aussi à d'autres. Il y a aussi des métiers qui apparaissent de plus en plus liés à l'aide à la personne. Alors à l'aide à la personne, effectivement, il y a des métiers qui ont su eh bien, s'adapter pour répondre aux besoins de notre société qui est en mutation, ouais. Notamment l'aide à la personne et ouais. Notamment la socio-esthétique. Ouais. Et puis il y a aussi, et ça m'a fait plaisir, l'aéronautique importante dans notre région, puisqu'un sondage ce matin publié dans le Parisien démontrait que c'était une des filières qui attirait le plus les jeunes. Pierre Deremeau. L'axiome dit quand le bâtiment va, tout va. Comment le bâtiment, en un mot, traverse-t-il la crise? Il subit une crise un peu comme tout le monde quand même.
Ceci dit, l'activité se maintient bien, les prix s'effondrent beaucoup. On va avoir dans les 3 ans à venir des problèmes de recrutement de personnes pour remplacer ceux qui s'en vont. Et donc il est grand temps aujourd'hui de parler d'apprentissage. Quels sont les besoins? Quels sont vos besoins à vous dans le bâtiment? Les besoins, c'est de l'ordre de 6 à 8 000 personnes par an pour remplacer les gens qui s'en vont. Et donc il faut pouvoir les former parce que ce sont des métiers qui demandent de la technicité et donc un peu de temps pour les apprendre. Ça touche quand même, on le rappelle, près de 14 000 jeunes. Oui, c'est on représente non pas tout à fait 14. Oui, bah, c'est l'ordre de grandeur, oui. Ouais. Quelles sont les filières à succès que vous voulez mettre en avant? Il y a beaucoup de métiers autour des nouvelles technologies, de l'énergie, des bâtiments à faible consommation, du bois aussi qui se développe beaucoup, mais c'est lié à la faible consommation énergétique. Ce sont des métiers qui sont effectivement très en développement actuellement. Mais les métiers classiques restent nécessaires parce que vous ne construirez pas sans avoir de béton, sans avoir de... Bien sûr. Il y aura toujours une demande. Il y aura toujours une demande. Alors on reviendra évidemment sur tout cela et quelles sont les portes d'entrée, aussi bien dans votre domaine, le bâtiment, que dans celui de M. Houry qui est l'automobile. Nous, on va retrouver la compétition. Hein. C'est un peu le but de notre émission, vous faire vivre quasiment en direct ce qui se passe ici à Angers. Eric, cette fois, où se déroulent les Olympiades? Mais écoutez Christophe, on va se détendre un peu et parler de bien-être, de relaxation, de massage comme vous pouvez le voir derrière moi. Même si les candidates derrière moi ont un petit peu la pression, je ne vous le cache pas. Alors sur ce stand soins esthétiques, puisque c'est de cela dont on va parler, c'est important de le rappeler, le concours des Olympiades, bah, c'est également ouvert au service à la personne. On vient d'ailleurs de le voir avec la coiffure précédemment. Et les métiers de l'esthétique sont en constante progression ces 5 dernières années. Des métiers qui ont en plus l'avantage de recruter du CAP au BTS. Alors pour en parler, j'ai à côté de moi Laure Martins. Vous êtes professeur au CFA de coiffure et d'esthétique de Saint-Herblain, c'est bien cela? Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'on regroupe finalement derrière les soins esthétiques? Alors au niveau des soins esthétiques, on a l'avantage d'avoir la possibilité d'avoir des métiers très variés puisqu'on peut travailler en institut, on peut travailler en parfumerie, en thalasso, en spa. Également de plus en plus, on a la socio-esthétique qui se développe dans les centres hospitaliers ou maisons de retraite. Nous avons donc une grande variété de possibilités pour ces jeunes. En fait. Donc finalement, on aide la personne à être mieux dans son corps. Je parlais de service à la personne, c'est vraiment cette notion qui est derrière? Tout à fait, on est de plus en plus sur la notion de bien-être, au-delà effectivement parfois des effets. On est vraiment l'idée de détendre, on vit dans une société de plus en plus stressée et c'est vrai que le contact est de plus en plus important et l'avantage c'est que nos métiers apportent justement ce bien-être, ce contact. Eric, oui. Est-ce que le public a le droit de bénéficier des soins prodigués sur le stand? Alors, est-ce que le public a le droit, effectivement, de venir ici, se faire masser, faire un soin du visage? Alors, sur ce côté-ci, non, puisqu'on est en concours. Hein, les jeunes filles vont œuvrer pendant 2 jours, donc sur 11 heures d'épreuve. Maintenant, effectivement, on a un espace où vous avez la possibilité, effectivement, de venir découvrir notre métier sous un autre angle, puisque souvent, c'est le métier du maquillage qui est souvent, je dirais, qui est la prise de contact du métier. Maintenant, on ne fait pas que ça. On le voit, là, on est sur du soin du visage, on a du soin du corps, des soins des mains. Donc l'idée, c'est qu'on a effectivement mis un pôle pour découvrir l'autre facette de notre métier. Bon, on reviendra peut-être vous voir après l'émission. Quelles compétences faut-il réunir pour devenir esthéticienne? Alors, ce qui est très important pour devenir esthéticienne, déjà, c'est aimer les gens. Aimer les gens, aimer le contact, c'est vraiment très important. On travaille justement pour l'autre et pas pour soi. Donc ça, c'est très important. Puis on a bien évidemment le côté artistique, puisqu'on a un métier à multiples facettes, puisqu'on peut aussi développer le côté artistique, soit dans nos réalisations de soins, mais dans le maquillage, dans le soin des mains. C'est très, très varié. Vous notez sur les gestes, sur le résultat, évidemment, si c'est... Alors, c'est effectivement les gestes, le résultat, l'innovation aussi. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle soit aussi un petit peu innovante. On attend effectivement la prise en charge globale de la personne. Parce qu'elles vont œuvrer, en fait, de la tête aux pieds aujourd'hui et demain. Et donc, la difficulté, c'est qu'elles doivent être capables, en fait, quasiment de maîtriser un grand nombre de techniques.
Très bien, merci. Et écoutez, merci Laure Martins. Je vais tout de suite vous proposer un autre reportage concernant un serrurier métallier. C'est lors d'une première sélection chez les Compagnons du Devoir que Vincent a été retenu pour participer à la sélection régionale des Olympiades des métiers. Il est métallier serrurier, je vous le disais. Il travaille à Bouloir dans une métallerie sartoise. Et dès aujourd'hui, il est à Angers à pied d'œuvre pour se qualifier au niveau national pour ces Olympiades. C'est un reportage de Renaud Vagenard, commenté par Christophe Turgis. Ici, à la métallerie sartoise, qui fait du travail sur mesure, Vincent est amené à pratiquer les différentes facettes du métier, ce qui est un atout pour sa participation aux Olympiades des métiers, version régionale. Côté motivation, pas de problème, il est à fond. C'est des entraînements le soir, de temps en temps, c'est... Une fois, si je suis sélectionné pour les nationales, c'est les entraînements à Paris, le week-end, avec des coachs, vraiment, pour partir aux nationales et après aux internationales. La première marche à franchir est donc la sélection régionale. Une étape importante. Et pour cela, Vincent est soutenu dans sa démarche par son patron, qui voit dans le concours un engagement positif et presque téméraire. Il faut déjà avoir le courage de s'inscrire. Le courage de le faire, c'est pas donné à tout le monde. Et nous qui voyons beaucoup de jeunes passer dans nos métiers, rares sont ceux qui vont s'inscrire comme ça à un concours. Donc c'est une démarche personnelle qui révèle un état d'esprit intéressant. Pour les Olympiades des métiers, il va avoir affaire à des pièces qui sont techniquement un petit peu différentes. Donc il va falloir aussi cette capacité d'adaptation-là. Alors on espère que les 5 ans passés dans ce métier et les différentes entreprises qu'il a découvertes lui permettront justement de s'adapter. Vincent et compagnon, il est donc pour un an dans l'entreprise et quel que soit le résultat des Olympiades, en septembre prochain, il partira continuer son Tour de France. Et on lui souhaite bonne chance. Je rappelle ici en direct du Parc des Expositions d'Angers que nous sommes avec des invités qui sont tous des pros de la formation. Alors on a l'impression depuis quelques années que le niveau monte. On part du CAP, BEP, ensuite on monte, Bac Pro. Bac pour en 3 ans, on en parlera. Ensuite, licence, il y a même des masters, ingénieurs, évidemment. Dans l'automobile, vous le constatez également ? Alors, on le constate parce qu'avec la réforme du bac professionnel, donc le BEP disparaît. Donc là, on va avoir les premiers jeunes au niveau du secteur automobile, comme dans beaucoup de filières, qui vont sortir avec des bacs professionnels. Et donc après, je dirais en fonction de leur choix et de leur orientation, il y a possibilité de faire des licences, des certificats de qualification professionnelle qui sont spécifiques à la branche pour propre intégrer, à votre secteur, oui. Propre à notre secteur d'activité, puisque pour s'intégrer au mieux dans les entreprises du secteur automobile, il faut parfois une qualification très spécifique pour intervenir sur les véhicules. Ouais, alors justement, on a l'impression que lorsqu'on entend les mots apprentissage, alternance, contrat de professionnalisation, licence, on en a parlé aujourd'hui. On a l'impression qu'on s'empile comme ça des strates qui sont proposées aux jeunes. Est-ce qu'on ne gagnerait pas finalement à simplifier tout ça ? Alors moi je pense, pour le secteur automobile, non, vous l'avez résumé, le fameux triple A, nous c'est alternance, apprentissage, automobile. Donc c'est un cursus de formation qui correspond à des métiers. Alors c'est bien la grande spécificité des métiers qui sont présentés aujourd'hui, c'est-à-dire que on y va crescendo, on y va au rythme du jeune, on y va en fonction de son souhait et puis en fonction de ses capacités. Donc, dans le bâtiment, on a le même regard. On a un regard encore très très attaché au BP parce que ça nécessite un niveau de pratique assez soutenu et par rapport au bac professionnel, on a quand même un niveau d'apprentissage plus pratique dans le BP. Donc ça reste très prisé dans les entreprises de bâtiment aujourd'hui. Néanmoins, le bac pro a évidemment son utilité, mais plutôt pour emmener plus loin, pour ne pas rester dans un niveau d'opérateur manuel. Donc ça modifie un peu les choses. Ouais. Alors on dit depuis longtemps en France que les métiers manuels n'ont pas la cote et que contrairement à nos voisins européens, je pense aux Allemands, ils savent s'en servir comme levier. Il n'y a qu'à voir le chiffre du chômage des jeunes. Est-ce que c'est encore le cas ? Il faut quand même savoir que le bâtiment représente 20 000 entreprises sur la région des Pays de la Loire. Donc c'est 86 000 emplois. Sur 30 000 apprentis, tout à l'heure, j'ai repris un peu les chiffres, c'est 8 000 apprentis dans le bâtiment. Donc c'est quand même des métiers qui ont la cote. On voit aussi que ce sont des métiers qui se féminisent. C'est difficile dans le bâtiment, mais on y arrive. Bon. Petit à petit, on y arrive.
Voilà qui va faire plaisir à notre ami Eric Aubron qui poursuit ses pérégrinations après les soins esthétiques. Vous êtes où, Eric ? Je me suis mise au vert, Christophe, parce que s'il y a bien une filière qui est emblématique dans la région et en Anjou en particulier, eh bien c'est bien celle du végétal. C'est une filière qui rassemble 4000 entreprises rien que dans le Maine-et-Loire, avec des professions diverses comme l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture et bien sûr le métier de paysagiste dont nous allons parler maintenant. Puisque ce métier emploie près de 6000 personnes dans la région et il nécessite des compétences variées, vous allez le voir. Il ne faut pas simplement avoir la main verte. On va en parler justement avec Hervé Fontenot, mon invité. Vous êtes membre du jury sur ce stand paysage et vous êtes également paysagiste en Loire-Atlantique. Qu'est-ce que vous leur demandez à ces jeunes là qui travaillent derrière nous ? Alors en fait nous leur demandons donc de réaliser une scène de jardin, c'est-à-dire ils ont donc une jardinière en pierre naturelle à représenter. Ils ont un dallage en pavé reconstitué et un plancher bois. Donc c'est un métier vraiment complet. Voilà, c'est un vrai métier, très agréable, très intéressant. Toujours au contact de la nature, donc c'est bien. Sur quelle aptitude précisément vous les jugez, sur quel geste ? Alors il y a donc la partie objective, c'est-à-dire qu'il y a donc tout ce qui est obligatoire et il y a donc des critères bien précis, c'est-à-dire les cotes, les points de niveau. Et là, on est très, très sévère sur les notes puisque c'est la base. Vous pouvez avoir le plus beau jardin, mais si les cotes ne sont pas là, eh bien, ça ne correspond pas. Et ils doivent aboutir en combien de temps ? Ils ont combien de temps pour ça ? Donc là, ils ont 16 heures de travail, donc jusqu'à 16 heures demain après-midi. Et donc, ils ont une partie subjective aussi à faire, c'est-à-dire le côté imagination. Alors, il y a un côté particulier aussi, parce qu'on les voit travailler à deux. Pourquoi ils travaillent en binôme ? Alors, le but d'être en binôme, c'est que de réaliser un jardin 4 mètres sur 4, s'ils étaient tout seuls, ce serait beaucoup plus compliqué pour arriver à finaliser le projet. Hein, donc ça permet d'avoir un jardin beaucoup plus complet et mieux fini. Je vous disais, c'est un secteur important, hein, le végétal dans la région. Votre métier, c'est un métier aussi qui recrute ? Bien sûr, donc il y a beaucoup d'écoles de formation et la meilleure formation, c'est donc l'apprentissage, hein, puisque les jeunes sont donc au contact du végétal, au contact des matériaux. Et nous avons beaucoup de jeunes qui demandent et ce que je peux souhaiter, c'est que les professionnels, les collègues, eh bien, fassent la formation du mieux possible. Alors justement, on va aller les voir, ces jeunes qui sont en train de travailler, vous allez me suivre. Allez, on va aller voir Thomas Langlais et Fabien Cormeret. Alors je crois que c'est... Fabien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors Fabien Cormeret, vous êtes donc en contrat d'apprentissage à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Votre binôme, lui, est en contrat de professionnalisation au CFA Nature de La Roche-sur-Yon. Vous connaissiez avant ces Olympiades ? Oui, on se connaissait. On a fait notre BEP, notre bac pro ensemble. Des mois d'entraînement avant d'arriver ici aux Olympiades régionales ? Oui, on s'est bien entraîné avant de participer à ça, sur le chantier. Et alors, comment on s'entraîne justement ? Bah, en gros, on a le plan, on essaye de trouver les matériaux qu'il nous faut et on s'entraîne à faire exactement ce qu'on nous a demandé. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous les Olympiades ? Bah, une très belle compétition, ça nous permet de nous mettre en valeur à côté de certaines personnes, ce qui nous permet de déterminer notre niveau. Et je trouve ça super. Alors Thomas, vous avez choisi aussi le métier de paysagiste pour plus tard. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Bah, la diversité du travail, quoi. Vous faites tout un peu. Oui, c'est un métier complet, on peut dire. Voilà, on touche à tout et non, c'est sympa. C'est la diversité qui est importante, qui est sympa. Et bien, merci à vous deux et bonne chance pour la suite. Alors on va changer de domaine, on va parler musique maintenant avec ce sujet, l'ITEM. L'ITEM c'est à 300 élèves, une centaine de diplômés chaque année et surtout un centre de formation unique en France et en Europe. Et pourtant la structure a bien failli disparaître faute d'une entente entre l'État et la région à propos de son financement. Aujourd'hui un compromis a pu être trouvé et l'Institut européen des métiers de la musique peut donc continuer ses formations. C'est un reportage de Renaud Vagenard et Guy Charon. Ils viennent du Bénin, du Maroc ou d'Espagne pour se perfectionner dans le domaine de la facture instrumentale. Et si c'est ici à l'ITEM, au Mans, qu'ils apprennent, ce n'est pas un hasard.
L'ITEM est unique en son genre en France, en Europe et dans le monde. Il n'y a pas d'autre exemple d'ITEM ou même d'autres établissements semblables dans le monde. On est dans un secteur qui ratisse relativement large autour des instruments, mais toujours avec une dimension technique importante. Nous ne sommes pas un conservatoire de musique, nous ne formons pas des musiciens, mais des gens qui vont travailler avec les musiciens. À l'heure où la vente des instruments via Internet est de plus en plus courante, le savoir-faire pour la fabrication, les réglages et la maintenance devient précieux. On peut monter la qualité de service d'un magasin et contrecarrer l'Internet en fait, qui ne vend elle que des références et pas vraiment des produits réglés. Et ça permet de resensibiliser les gens, avoir des artisans de proximité. On va reprendre un vrai carton qu'on va remettre à l'intérieur pour renforcer la chose. En fait. Par exemple, l'ITEM est la seule structure à proposer de la facture instrumentale pour les accordéons. Emmanuelle vient de Corrèze pour compléter ses connaissances. Elle envisage d'ouvrir un atelier de lutherie spécialisé dans cet instrument. Là, ce que je cherche, c'est une formation à plus grande échéance, plus grand sur 2 ans, donc avec un apprentissage sérieux. Samedi prochain, l'ITEM ouvre ses portes au public pour montrer ses savoir-faire. À cette occasion, les visiteurs pourront participer à des ateliers de formation, de quoi peut-être susciter des vocations. Eh bien, je vous encourage à aller visiter cette école, comme je vous encourage à venir jusqu'à demain ici au Parc des Expositions d'Angers où se déroulent les Olympiades. Alors à ce stade de l'émission, je voudrais qu'on fasse un petit résumé explicatif pour bien comprendre ce qu'est la formation en France en quelques mots. Allez, on a vu tout à l'heure deux jeunes futurs paysagistes. Moi, j'ai 16 ans, j'ai un projet professionnel, celui de devenir paysagiste. Je veux donc quitter en quelque sorte l'école, le parcours traditionnel. Qu'est-ce qui s'offre à moi, Elisabeth Vincent ? Ben, ce qui s'offre à vous, jeune garçon de 16 ans, plein d'avenir, c'est justement de se poser les bonnes questions au départ. Une carrière professionnelle, c'est long, autant qu'elle soit la plus belle possible. Et à la fois, les Olympiades sont un tremplin, je dirais, pour venir découvrir les métiers et surtout s'y attacher. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'information et l'orientation qui peuvent donner de très judicieux conseils à condition que le jeune soit moteur dans son choix. D'accord. Et qu'il puisse, en premier chef, je dirais, convaincre ses parents de le laisser tenter sa chance dans la voie qu'il se sera choisi. Ouais, c'est important quand même que les parents soient dans le coup. C'est primordial. S'il y a un conflit dans la famille entre le « passe ton bac d'abord » et « moi je veux être paysagiste », eh bien il y a des chances que le jeune soit un peu désorienté et ce n'est pas facile dans ces cas-là de lui trouver une voie d'orientation, c'est à lui de la choisir. Dominique Oury, moi je veux vendre de la voiture. Alors moi je veux vendre de la voiture, eh ben, ça tombe bien, on vous met des longs cheveux et il y a un certain nombre d'entreprises qui recherchent des futures vendeuses de voitures. Donc on recherche aussi des gens dans le secteur du véhicule industriel, donc du poids lourd, de ce qui roule et ce qui transporte des marchandises. Donc ce que je dirais moi c'est qu'il faut pousser la porte des centres de formation, pousser la porte des entreprises. Et puis il y a aussi un autre point, c'est qu'en devenant futur salarié du secteur automobile, demain, vous pouvez prendre une affaire, un garage, une concession et des succursales. Donc, je dirais toute la palette est possible dans le secteur automobile. En précisant peut-être chez vous, que pour qu'on comprenne bien ce qu'est le secteur de l'automobile, c'est alors, à partir du moment où la voiture roule jusqu'à la mort du véhicule. Tout à fait. Alors, la mort du véhicule, maintenant, avec les réglementations européennes, c'est la déconstruction du véhicule. Et là aussi, il y a aussi des gisements d'emploi à venir. Et donc, il y a de la formation pour des gens motivés. Monsieur de Romeau. Je veux être maçon, qu'est-ce que je fais ? Alors déjà, c'est très bien parce que vous avez déjà un projet. On a souvent des jeunes aussi qui n'ont pas de projet. Donc la première chose à faire, c'est de rencontrer des conseillers d'emploi ou des conseillers de jeunes qui existent par exemple dans les CFA et qui sont capables de discuter avec vous de votre orientation. Si vous avez vraiment déjà un projet élaboré, il vous reste à trouver une entreprise, pousser une porte de CFA, comme disait monsieur de l'automobile, et la route s'ouvre devant vous. Vous changerez peut-être 10 fois de métier dans votre vie, mais ça sera des beaux métiers. Il faut qu'on dise un mot quand même sur ce bac pro sur 3 ans qui a un petit peu bouleversé le monde de la formation. On en parlait au début. Est-ce que ça va être compliqué à être mis en place parce que ça va commencer là ? Alors les premiers sortent en 2012. Donc nous, au niveau de la branche automobile, on a accompagné à la fois les établissements de formation, donc les formateurs. Donc on a mis en place avec le rectorat, donc l'éducation nationale et puis les autres centres de formation, des choses pour amener petit à petit les jeunes. Alors ce qu'il faut bien voir quand même que dans le bac pro, il y a possibilité d'avoir une certification intermédiaire de type CAP. Donc c'est aussi le moyen pour...
faire donc arriver au bac pro, alors plus en 3 ans, mais en 3 ans à l'heure actuelle, alors qu'avant on avait une filière en 4 ans quoi. Autre filière maintenant, la boucherie, et on l'a dit tout à l'heure, c'est assez nouveau. Eric ? Oui ? Vous êtes sur le stand de la boucherie pour nous décrire ce qu'il s'y passe. Absolument, Christophe. Et si je vous dis Maine-en-Joux, Reine-des-Prés, j'imagine que ça vous évoque quelque chose. Ce sont deux races bovines bien connues dans notre région. Les Pays de la Loire sont une terre d'élevage avec pas moins de 2,5 millions de bovins. Notre territoire dispose également de nombreux sites d'abattage, de transformation de viande. On y trouve les principaux industriels en France. Et pour les métiers de la boucherie, l'insertion professionnelle s'effectue souvent par le biais de l'apprentissage. Après la troisième, deux voies possibles en préparant le CAP boucher ou le bac pro boucher charcutier traiteur. Alors nous allons en parler avec les candidats. Vous-même, Emmanuel Quentin, vous êtes élève vendéen en contrat d'apprentissage à l'ESFORA, c'est à La Roche-sur-Yon. Et cet après-midi, vous allez vous retrouver à cette place, à côté de ces candidats. Vous allez aussi participer à ces Olympiades. Pas trop stressé ? Pour l'instant, ça va. Plutôt tout à l'heure, à mon avis, juste avant l'épreuve, ça a commencé à monter plus. Pour l'instant, ça va. Je regarde avec attention et j'essaye de me décontracter, quoi, comme je peux. Il y a vraiment une pression, justement, pour ce concours-là ? Bah oui, parce que c'est quand même, ça fait quand même un plus sur le CV et tout ça. Et c'est vachement serré, quoi. On travaille tous pareil à peu près. Ça va jouer vraiment à pas grand-chose. Ça se joue à quoi justement? Qu'est-ce qui fait la différence comme on dit souvent? Peut-être la petite erreur, le petit coup de couteau qui va pas aller comme il faut, ou même au niveau du temps, ça peut jouer aussi. Suffit qu'on n'ait pas le temps de finir tout, on peut perdre des points. Enfin, c'est très vaste en fait. Ça peut jouer à plein de trucs. Voilà. Et vous préparez depuis combien de temps pour ces Olympiades là? Depuis janvier facilement, oui. Un peu avant janvier. Bah, je m'y attendais, mais j'étais déjà inscrit un petit peu avant. Donc je me suis entraîné sans avoir le sujet. Et une fois que j'ai eu le sujet, j'ai pu m'entraîner vraiment à fond pour essayer de gagner. Alors justement, on les voit, ces candidats là, quel exercice vous pensez on va vous demander, de quel type? Comment ça En fait là vous là, découpez de la viande, mais plus précisément, quels sont des gestes bien précis? Oui, donc là, désossage donc à blanc, il faut vraiment pas laisser de viande sur les os. Après, ils vont me demander au niveau du parage, donc enlever les têtes de nerfs, tout ce qui est le gras, etc. Et à la fin, donc pour certains morceaux, le ficelage et la découpe. Et en fin de concours, ça va être la décoration. Donc voilà. Et puis après, donc on aura les résultats demain soir. Alors on va rejoindre tout de suite un membre du jury, c'est Monsieur Janière. Monsieur Janière, bonjour. Oui, vous êtes également formateur en CFA. Oui. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de demandes pour les métiers de la boucherie. Disons que ça se maintient, pour le moment ça se maintient. On a eu une forte baisse il y a quelques années. Aujourd'hui, disons, on a remonté, les effectifs ont légèrement remonté et aujourd'hui ça se maintient. Parce qu'il y a de nombreuses entreprises, hein, je disais, implantées dans la région. Est-ce que néanmoins l'offre est suffisante? Est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes qui sortent aujourd'hui des centres écoles, d'études? Ouais. Oui, bien sûr. Hein. On arrive à fournir des jeunes à toutes les entreprises. Hein. On a parfois quelques petits problèmes, c'est au niveau géographique, pour arriver à trouver une entreprise par rapport au lieu d'habitation du jeune. Il faut se déplacer. Voilà, c'est un peu le gros souci pour les jeunes, surtout ceux qui sont en CAP. Ils sont jeunes et les parents, des fois, ne veulent pas les envoyer donc, dans des chambres. Hein. Donc on a un gros problème à ce niveau-là. Mais sinon, on arrive à fournir quasiment un jeune par entreprise, hein. Voire deux, des fois, dans la grande distribution. Ça veut dire qu'il faut davantage de centres de formation, davantage d'implantation? Il nous faudrait aussi peut-être beaucoup plus de maîtres d'apprentissage, hein, d'entreprises qui prennent des jeunes. Parfois c'est un petit peu notre problème, hein, il n'y a pas suffisamment d'entreprises. Ça, c'est pour nous, c'est le gros problème, hein, des fois. Il y a des patrons qui ne veulent plus prendre de jeunes. Alors, il y a toute une palette de métiers, parce que je parlais CAP, bac pro, il y a vraiment toute une filière. Nous, oui, bien sûr, on démarre donc par le CAP, bien entendu. Nous, le bac pro, pour le moment, nous n'avons pas de jeunes pour le bac pro. Nous faisons donc le brevet professionnel. Ici, vous avez donc des jeunes donc, qui font le concours, qui sont en brevet professionnel. Hein. Donc niveau 4, ce sont des jeunes donc, qui ont autour de 4 ans de métier. Hein. Là, on voit déjà le niveau est assez élevé. Hein. On voit tout de suite que ce n'est plus des CAP, que ce sont des brevets professionnels. Merci beaucoup, Monsieur Janière. Alors, on va continuer dans l'alimentation, les métiers de bouche, avec ce reportage. Un métier également qui recrute. Je veux parler de la boulangerie. Regardez plutôt ce portrait de ce jeune apprenti, un jeune boulanger. C'est quoi le pain parfait, Quentin ? Il faut une belle couleur, une bonne croûte et un bon goût, bien sûr.
Tous les jours, depuis 5 ans, Quentin est à la recherche du pain parfait. Cet apprenti boulanger concourra en mars prochain pour les Olympiades des métiers. Une première épreuve régionale avant peut-être la consécration à Paris. En attendant, Quentin s'entraîne sans relâche devant les clients. Ceux qui le savent, ils sont à fond et sont motivés autant que moi. Et devant son patron, fan de la première heure. C'est un jeune homme qui est motivé et qui a du talent. Parce que quand il dit tout à l'heure, tout le monde peut y arriver avec du travail, non. Même avec du travail, tout le monde ne peut pas y arriver. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, ouais, François Château a fait appel à l'un des meilleurs pour coacher son apprenti. Alexandre Lopez et sa blouse atypique, sacré champion du monde de boulangerie en 2008, est venu spécialement du Tarn pour donner quelques conseils. Propre, soigné, et après attirer le regard du jury. Quoi. Il faut que quand le jury passe devant la production, ils disent ouais, c'est super, quoi. On n'y avait pas pensé. On peut sentir, on sent bien le levain liquide. Là, ça sent bon. Là. Ouais, une bonne odeur. Ça donne envie. Ouais. Voilà, retour donc ici au parc des expositions d'Angers. On s'interrogeait avec Elisabeth sur tous ces métiers, d'avenir. Mais pour rester sur la formation, j'ai quand même l'impression qu'en France, on a opté le niveau supérieur. Est-ce que ça ne va pas se faire finalement au détriment des CAP? Est-ce qu'on ne va pas les enterrer? Disons que les enterrer, non, parce que ça reste quand même l'étape nécessaire pour que les bases des métiers soient bien acquises. Donc on ne peut pas être excellent dans son métier si on n'a pas les bonnes... Je rejoins mon collègue du bâtiment. Il faut des bonnes fondations pour pouvoir construire. Donc le CAP est la nécessaire fondation. Même avis, Ah oui, Dominique. Tout à fait. On a besoin dans les entreprises, dans les petits garages, on a besoin aussi de gens très, très opérationnels avec un CAP. Donc le CAP, c'est une porte d'entrée. C'est pour entrer dans une maison... ça vous permet globalement de rentrer par la porte. Après, vous montez les escaliers pour aller, si vous en avez la motivation et l'opportunité, aller vers un niveau supérieur après. Monsieur De Rebaud, chez vous en plus, il y a une autre dimension, c'est que la formation, elle peut évoluer au sein même de l'entreprise. Oui, tout à fait, mais comme dans tous les secteurs d'activité, mais particulièrement chez nous aussi. Je voudrais juste revenir sur le CAP, je crois que c'est au moins le CAP. Plus intéressant encore le brevet professionnel. Et je pense qu'il faut aussi inclure un peu plus de culture générale parce que les métiers deviennent plus techniques et avec de la technologie, avec des documentations, avec des plans compliqués et complexes. Et ça, il faut savoir les lire et les interpréter. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis je précise qu'en dehors des épreuves internationales, ces Olympiades, c'est aussi un grand salon de la formation où on peut évidemment obtenir toutes les infos sur les formations proposées. Bon, dites donc, Eric, commence à faire un peu faim. Oui, effectivement, je crois que là où je suis, c'est un stand qui va vous plaire, Christophe, puisque je suis sur le stand cuisine. Je crois que ça plaît, mais pas seulement à vous, puisque de plus en plus de gens s'y intéressent aujourd'hui. La presse également, on compte plus les magazines spécialisés, les émissions de télévision. Du coup, vous l'imaginez, ces formations sont très prisées, sont très demandées. Le métier s'apprend soit par apprentissage, soit en lycée professionnel, avec des formations qui vont du CAP au BTS. Et l'an passé, eh bien, ce sont 200 jeunes cuisiniers qui ont été embauchés dans les Pays de la Loire. Et je me retrouve là, juste derrière les fourneaux, avec Mickaël Tessier. Mickaël, vous êtes apprenti aux 6 femmes de Nantes. Alors, vous préparez quoi? Mettez-nous l'eau à la bouche. Là, je suis en train de faire mon consommé. Donc, c'est un fond blanc qu'on passe avec des blancs. Pour faire ressortir les impuretés, ça sert comme un filtre. Donc là, ça a l'air de prendre. Alors, vous êtes à pied d'œuvre depuis ce matin, 7h30, c'est ça? Pour faire un repas complet, non? Oui, ce matin, c'est épreuve petit déjeuner et terroir. Et cet après-midi, plat et dessert. Alors là, vous êtes en situation effectivement d'exercice concret, mais vous êtes devant le public. Est-ce que c'est pas un petit peu stressant, justement, ce contexte d'Olympiade? Il y a un peu la pression? Oui, forcément, parce qu'on est... Il y a toujours le coup de feu en cuisine. Oui, mais là, on est 7. Il y en a un qui représentera la région Pays de la Loire à Clermont. Donc, on va avoir notre chance, quoi. Donc, surtout que demain, il y a un candidat qui a déjà fini deuxième en national l'année dernière. Ça met davantage la pression. Et ça représenterait pour vous, une finale nationale des Olympiades? Voire plus haut. Un aboutissement, 6 ans d'études récompensées.
récompensé par mon travail, mes patrons qui me suivent depuis le début de l'épreuve, mes parents, tout le monde. Alors on va aller voir justement les gens qui vous observent, qui vous regardent. On va aller voir Michel Lecomte, vous êtes examinateur et vous êtes également ancien chef de cuisine, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça, oui. Donc j'étais chef de cuisine pendant environ 25 ans et puis ensuite j'ai décidé de faire de la formation. Est-ce qu'on peut dire que, parce qu'effectivement la cuisine française c'est reconnu dans le monde entier, est-ce que, c'est même reconnu par, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO je crois maintenant, est-ce que ça ouvre des portes justement pour travailler à l'étranger, justement cette renommée de la cuisine française ? Absolument, c'est vrai que la cuisine française est très très riche et en fait la main d'œuvre de nos cuisiniers est également très qualifiée. Et en fait, il y a une demande incessante de la part de l'étranger pour effectivement... Pour y travailler. Et les Olympiades nationales, c'est un sésame aussi qui est précieux pour ces jeunes apprentis là. Effectivement, c'est une épreuve qui est relativement compliquée, hein, avec un panier de marchandises et des contraintes de réalisation. Et c'est une sélection où il y a beaucoup de travail, effectivement, et avoir des qualités professionnelles reconnues, quoi, bien sûr. Hein. Ça leur ouvre des portes pour la plupart. Absolument, oui. Il y a des jeunes qui peuvent être repérés éventuellement par des professionnels. Et puis, mais c'est vrai que sur un CV, c'est toujours quelque chose de positif. Hein, de positif et de très utile également. Merci Michel Lecomte. On va vous retrouver Christophe. Quant à moi, je vais pas tarder à me remettre. Ah mais vous êtes ici Christophe. J'ai pas résisté, moi vous savez, j'adore la cuisine. Alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais essayer de sortir un petit déjeuner du terroir. Ce matin, tantôt cet après-midi, une salade d'agneau en deux cuissons avec un thion et un risotto. Et ce soir, ça sera un chou déstructuré façon éclair. Voilà, mais je vous signale qu'on va se régaler. Le jury, évidemment, il goûte ce qui est fabriqué ici. Bien sûr, et on va goûter de bonnes choses. Hein. On voit bien que c'est fait avec amour, donc c'est essentiel. Hein. Ça coûte combien le goût en notes ? Alors, il n'y a pas que la note qui est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas que le goût qui est noté, il y a aussi toute la réalisation technique, l'organisation du travail, le goût fait partie de la notation, mais ce n'est pas uniquement la note finale et définitive. On aura envie de rester avec vous, parce que je suis sûr qu'on apprendrait beaucoup de choses. Merci, Eric, d'avoir été notre globe-trotteur à l'occasion de ces Olympiades. Merci de nous avoir suivis sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire. Et rendez-vous tout à l'heure à midi dans le journal de Sébastien Thomas. Très belle journée à vous, à très bientôt. Et venez nous voir à Angers, d'autant plus que c'est gratuit. Et un grand coup de chapeau, effectivement, à tous ces apprentis et à tous ces professionnels. Merci.